Mon téléphone, il a failli tomber. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée. Les gens qui me demandent tout le temps de faire des vidéos et tout, je suis désolée, mais ah, je ne suis pas trop youtubeuse. Hein. C'est juste histoire de faire des vidéos comme ça. Vous avez capté ou pas? Et voilà quoi. Il faut avoir de l'inspi. Et voilà quoi. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors là, je vais ramener Elonée à l'école. Parce que vu que ma mère, elle travaille et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup, là, Elonée, elle regarde la télé. Et là, tu regardes quoi? Je regarde Oscar et Malika. Attendez, je sais, mais moi, vraiment, c'était pas vraiment ça à mon époque. Genre, moi, je regardais pas ça. Après, je vais vous filmer tout ce que je dois faire, tout ça. Là, je vais aller la déposer à l'école. En plus de ça, j'ai mal au ventre. C'est une dinguerie. Et bref, du coup, on va y aller. Il est 58 et Elonée, elle rentre à 8h20. Ouais. 8h20, du coup, on va y aller. Il y a la côte et tout. Moi, je déteste. Il y a deux côtes que je dois monter là. À cause d'elle. On y va. Regardez son outfit. Et là, t'as grossi, hein? Tais-toi. C'est juste la robe qui fait ça. Bref, on va éteindre la lumière parce que. Voilà quoi. Après là aussi on va éteindre la lumière. Attends, je comprends pas. Mais regarde comment je suis habillée en mode je m'en fous de l'ascenseur. Et on a oublié la lumière. Regardez sa tresse. Non mais attendez, regardez sa tresse, wesh. Alors que ça fait deux semaines je crois. Bref. Là, je vais la déposer à l'école. Madame ici présente sa petite taille là. C'est pas si étage. Ah pas wesh. J'ai presque taille. Là vraiment pas. J'arrive à la deuxième étage. Là où je suis petite. Deuxième étage. Oh moi je suis petite. Oh, premier étage. Oh son gros sac là. Mais regardez comme elle marche s'il vous plaît. Eh hey, madame. Tu t'es cru, t'as cru que t'avais quel âge? T'es censé avoir. Oh, il y a Shaila, Nour. Hein? Là, il y a Nour. Nour, c'est la petite sœur de Shaila. Ah, ok, il fait froid là, wesh. Moi, j'ai froid. Hein. Mais attends-moi! J'ai mal au ventre, Elonée. En plus, il y a une côte à monter là. Non. Il fait froid, wesh. C'est même pas encore l'hiver. Ça commence déjà. On est le 15. Regardez la côte qu'on doit monter. Moi j'ai mal au ventre. Mais elle monte la côte en mode comme si elle avait pas mal. J'ai mal au ventre. Déjà essoufflée. Et non. J'en peux plus là. Je suis fatiguée. Je mets la capuche parce que vas-y ma tête là. C'est pas trop ça. J'en peux plus. On a fini de monter la côte. On va voir un truc. J'ai un truc à te dire. Oh. Bah je t'aime trop. Moi aussi. Oh putain. Est-ce que t'en as marre de moi ou pas? Non. Oh t'es trop mignonne. Je l'aime trop. Elle. Vu que moi je suis paresseuse, il y a le bus là-bas. Mais on a la flemme de courir. Tu veux courir? Hein? Oh non. Alors qu'on est juste prêt, ouais, je y a pas. On attend. Pourquoi tu veux pas t'asseoir? Mais j'ai pas envie, je suis pas fatiguée. Voilà. Il le course pas. Il arrive là, je crois, normalement. Ah, c'est bon, quoi. La chance, il arrive et voilà. Déjà. Quand on prend la place. On va à l'école de Elonée. J'ai pas envie, on va encore remonter la côte. Ah, il y a du caca. On va encore remonter la côte jusqu'à là-bas, là. Elonée, doucement, en fait. Exactement 8h15. Elonée, elle rentre à 8h20. Du coup, dans 5 minutes, j'ai essoufflé, là. C'est une dinguerie, hein.
Moi, je suis essoufflée. Elle est jamais fatiguée. Toujours, elle et ma mère, elles ont l'habitude de monter la côte rapidement, alors que moi, non. Je suis redescendue, mon bus, il arrive là. Je rentre, je dors. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Alors, je vais vous expliquer pour les gens qui ne savent pas que voilà quoi. Alors, moi, cette fois-ci, en septembre, je ne suis pas retournée en cours parce que j'ai la flemme. Du coup, parce que tout simplement, j'ai décidé d'arrêter les cours parce que j'en ai marre en fait. Et en fait, vu que moi, j'ai fait 2 ans de CAP et après, j'ai fait 2 ans de STMG, bac ressources humaines et tout. Et après, je me suis rendu compte que, bah, en fait, je n'aimais pas du tout. Et après, je regrette un peu, mais pas trop, parce que ça me fait quand même un diplôme. Et du coup, vu que j'ai un CAP, je vais travailler dans la restauration en mode de la cuisine. Et là, j'ai postulé dans plein de lieux et tout. Et du coup, je vais travailler dans la restauration. J'ai postulé dans plein de lieux et tout. J'attends la réponse. Voilà, là je rentre. Je rentre chez moi. Je vais dormir. Alors que si je reprends le boulot là, il n'y aura pas de dormir jusqu'à je sais pas quelle heure. Ce sera le matin. MDR. Et on dirait la campagne. Là où j'habite, on dirait vraiment la campagne. MDR, il y a vraiment des lieux bizarres. Il est incroyablement beau. En plus, il y a 2 ascenseurs. Miroir préféré pour les gens qui connaissent. Les gens, en plus, j'ai maigri. Bref, après, il y en a, ils savent pourquoi. Mais je rentre. Je vais prendre l'ascenseur. En fait, ça, c'est le plus grand. Et ça, c'est le plus petit. Ma maison n'était pas magnifique. Genre, vraiment, n'était pas magnifique. Non, vraiment, incroyable, non. Incroyable, n'est-ce pas? Il est exactement quelle heure, là? Attendez, je vous dis l'heure. 8h37. Vu que moi, je me connais, je vais être encore sur mon téléphone jusqu'à je sais pas quelle heure. Je vais m'endormir. Je vais me réveiller soit à 13h30, soit à 14h. Parce que moi, j'aime trop dormir. J'aime trop. Dormir, c'est trop ma vie. Je ferme la fenêtre. Parce que voilà quoi. Et du coup, je vais dormir. Je suis fatiguée. Et après, je fais le ménage. Je mange. Je fais le thé et tout. De toute façon, je vais tout filmer. Et après, on se retrouve à tout à l'heure. Recoucou. Alors, il est exactement 14h pile. Bah, en fait. Je me suis réveillée à 13h15, un truc comme ça. Je me disais que j'avais mal au ventre, du coup je me suis couchée. En tout ce temps, j'étais sur mon téléphone. Du coup, en vrai, je me suis réveillée vers 13h. Du coup, bah, faites pas attention à ma tête là, parce qu'il faut que je me coiffe. Il faut que je paye mes cheveux après. Du coup, bah, là, je suis dans mon lit. Là, je vais me lever, je vais faire le ménage et après, je mange. Ah, il faut que je rentre ma chambre déjà. Mon lit. Parce que là. Ça va, après ma chambre n'est pas désordonnée. Mais il faut que je range mon lit. Du coup, let's go. C'est bon, j'arrive. Pour les gens qui demandaient le room tour de ma chambre, je vais vous montrer. Parce que voilà, quoi. Il y en a plein, ils n'ont pas bien. Là, voici ma
table. Voici le miroir, la table et tout, tout ça. Mon lit. Le tableau. La fenêtre. La télé. Là, ici, je mets mes affaires. Ring light. Là, il y a... Comment ça s'appelle? Putain, ça fait comment? Pourquoi j'ai oublié, là? Ouais, bref, pour les LED et tout. Là, ma coiffeuse. Hé, hey, tu connais la Côte d'Ivoire? Hé, hey, la Côte d'Ivoire! Hey. Oui, je sais pas si ça s'est enlevé. Bref. Voici ma coiffeuse. Voilà. Là, c'est là où je mets mes vêtements. Là, c'est là où je mets ma chaussure et tout. Je ne sais même pas pourquoi. Ici, c'est pas fermé. Là. Bref. Du coup, en vrai, ma chambre, elle n'est pas très grande. Genre, voilà quoi. Baby. On va mettre un peu de crème parce que... Voilà quoi. Mon visage, il est un peu gris. Je sais pas pourquoi. Genre... ça se voit, j'ai des cernes. Je suis fatiguée, wesh. Il y a vraiment pas... Un peu... Vous savez pas, cette crème. Je trouve bien la crème. Genre, ça rend le teint incroyable. Genre, le teint... le teint. La crème, c'est... Teint Parfait by Nadège Harmony Crème... Crème de... Non, crème de chèvre. Non, lait de chèvre. Ouais, lait de chèvre. Il est trop bien, franchement. Pour ceux qui demandent, ouais, ta couleur de peau, elle est incroyable et tout. Non. Bah, c'est ça que je mets comme crème. Du coup, bref, on va venir brosser mes cheveux. Parce que là, moi, j'aime trop. Vous savez pas? Moi, j'aime trop faire des bruits de bouche là. mes copines, mes petites soeurs, elles en ont marre. Que toujours je fais ça en fait. Alors, toujours. En plus, vous savez, mes cheveux ont poussé grâce à la vaseline. Parce qu'en fait, à chaque fois avant de brosser mes cheveux, des fois je mets sur la cuir chevelure. Mais avant de brosser mes cheveux et tout, je mets sur ma main. Je fais ça. Je fais ça comme ça. Après, je reprends une deuxième fois. Je mets dessus, genre sur le bout et tout. En plus, vous savez, la vaseline, ça rend les cheveux mous, tout ça. C'est trop bien, ouais, c'est incroyable. Du coup, après, je prends ça comme crème de chez Action. Il n'y en a plus, putain. Il n'y en a plus. Je savais. Bref, du coup, je vais mettre un peu sur mes cheveux. Il y en a Action. Par contre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Care. Air Care, je ne sais pas quoi. J'ai mis sur mon cou. Il y a pas à faire ça, wesh. Il y a vraiment pas à faire ça. Par contre, moi, vous savez, moi, je suis une fille, je suis grave rasée des cheveux. Hein. Ça veut dire moi, quand on me coiffe, j'ai mal. Surtout quand je me brosse les cheveux, genre. Vous savez, quand je brosse mes cheveux, je vais même pas jusqu'au fond, genre. Parce que ça veut dire, deux fois, il y a des nœuds. Je sais pas si vous avez capté. Deux fois, il y a des nœuds, tout ça. Il y a des nœuds ici. Je quoi? Je paye même pas bien. Enfin, je brosse même pas bien. C'est une dinguerie de faire ça. Il y a vraiment pas à faire ça. Bref, on s'en fiche. Voilà. Mais là... Il veut quoi, lui? Il n'y a pas à tomber comme ça. Je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé de tomber. Voilà quoi, attendez. Moi, même si je sue, j'ai chaud de ouf, je transpire ou je sais pas quoi, je pue pas. C'est trop bien. Je pue pas, moi, je pue pas. Du coup, même si t'es chez toi, par contre, ça ne va plus. On va faire
monter les stars. Regardez. Donc, on va faire monter. Pourquoi il y a le flash là même? Je vais montrer la salle de bain. En fait, on a deux salles de bain. Voilà. C'est dans ma galère. On était ensemble. Dans des princesses. On a enseigné aussi. On met tout de n'importe quoi et tout, hein. Ni 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 nanana. On met du n'importe quoi. Bref, c'est de nos CD où se trouve le balai. On va venir balayer et tout. Attendez, déjà, je vais vous montrer. C'est le toilet. J'abuse. Je vous ai même pas montré la chambre de... C'est quoi ce bruit là? Des fois, je crois qu'il y a des fantômes dans la maison alors que c'est mon imagination. Tu veux toi? Il n'y a pas de sang. Vraiment. Love you. Love you. Là j'ai fini de balayer, je vais ranger le balai. Là je vais nettoyer dans les toilettes, salle de bain et tout. Ça, genre, il la prend pour le nettoyer et tout parce que comme ça ça enlève les... Déjà, je vais mettre le produit dans les toilettes. Le temps que ça agit, comme ça, voilà quoi. Mais ça. Pour nettoyer dedans, c'est là. Bien nettoyer, c'est comme ça. On a quatre chambres, toilettes et
Ah c'est mon bébé. 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 Pour les toilettes et le jaune c'est juste pour le meuble ici nettoyer. Bref, là j'ai fini de faire le ménage. Du coup, là je vais laver la marmite là. Après, je vais manger parce que j'ai faim là. Il est quelle heure? 14h55. Voilà. J'ai fini de faire le ménage. Tout est propre. Je vais prendre ça pour mettre la bouillie. Je sais pas si vous connaissez, genre la bouillie de riz. C'est tellement bon ça. Genre, c'est trop bon. Je vous jure, avec mon dos, le lait. Après, je mets dedans, après, je mets posé dans le frigo. Et après, je vais laver la marmite et les pâtes simples avec comment ça s'appelle, le reste du poulet de KFC, enfin tender. Bref, bah en fait, j'ai la flemme de... J'ai trop la flemme de cuisiner. Attends, mais qu'est-ce qu'on a peut-être là? Mmh.
coup, bah, je vais mettre le reste des pâtes là que j'avais préparé. Comme ça, même pas de sauce. Du coup, vous savez, nous, on mange comment les pâtes? On aime trop faire ça. On prépare ça avec les nuggets, saucisses, cordon, steak. On met à côté. On met du cul magie. On met la mayonnaise. Je sais pas quelle sauce ou je sais pas. Peu importe. Parce qu'en fait, même si on met le sel, il n'y a pas assez de goût en fait. Du coup, nous, on met le cul magie. C'est pas le cul magie. Ouais, les petits cul magie là. Je sais pas si vous avez capté. Du coup, on met ça. Vous moquez pas parce que voilà quoi. Du coup, je prends deux poulets sur les frites. Après, je chauffe, je vais mettre la mayonnaise et le sauce. I love you. Regardez, il y a beaucoup. C'est gros, hein? La mayonnaise. Meilleur jeu en fait. Oasis Fresh. J'adore. C'est tellement bon. C'est mon jus préféré. Et vous savez, avant toujours de boire du jus, mélangez. Parce que après, ça reste en dessous. Oh, bah, j'aime trop ce jus. Là, je vais mettre la mayo. Aussi le piment, parce que moi j'aime trop. J'aime trop le piment, ouais. Alors, et du piment dans le jus. C'est trop bon. Bon appétit. Manger de la hesse. Bien. Mais par contre, comme j'avais la flemme de cuisiner, c'était quand même 15h. Le temps que je finis, sera 16h. Du coup, bah... et là il est 15h07 et le nez elle finit les cours à 16h30. Patricia je crois elle finit à 15h, après elle va aller chercher Elonie. Du coup bah voilà. Bon appétit. Là j'ai fini de manger, je suis KO là. Du coup je vais venir mettre l'assiette dans la machine et après je vais venir faire le thé. Le temps que mes soeurs arrivent, là il est 14h41. Du coup, bah, voilà. C'était ma soeur, elle m'avait envoyé un message. Du coup, bah là, je vais débarrasser, nettoyer la table. Et après, je vais venir faire le thé. Je vais vous montrer comment moi je fais le thé en mode comment je mets tout ça et tout. Je vais vous montrer après. Du thé, c'est comme ça. Et après, je vais prendre ça pour mettre des verres et tout dessus. Parce qu'en fait, ça c'est pour quand je finis le thé et après je sers dans ça. Je sais pas si le plus grand, parce qu'en fait ça c'est le moyen. Ça c'est le plus grand. Je prends ça pour mettre le thé, ça aussi je le prends. Et puis je vous montre comment je mets de l'eau dedans. Peut-être que ça a rempli et tout. Voilà. En fait, nous on a ce thé, mais c'est pas celui-là qu'on prend d'habitude. C'est un autre qu'on prend d'habitude, mais en fait, vu qu'il n'y avait pas, du coup on a pris celui-là. En plus, celui-là il est trop fort, wesh. Il est vraiment trop fort. Du coup, vu que c'est trop fort, de base on peut prendre le petit verre pour mesurer, mais moi je prends la cuillère. Je prends une cuillère, deux cuillères. Et un peu, genre que un peu, genre la moitié on va dire, la moitié de la cuillère. Et puis, voilà. Et après je prends la menthe. En plus la menthe, il n'y a même pas beaucoup, wesh. Du coup je prends la menthe. Je mets beaucoup, beaucoup. J'aurais pris ça plus de goût. Alors, pourquoi il y a un goût de la menthe? Ok, ça fait que le thé est encore plus bon. Je sais pas si vous avez capté.
On vient rajouter l'eau. Voilà. Après, je rajoute l'eau que j'ai pris. Ça agit un peu. Du coup, après, je remets de l'eau dans ça. Par exemple, si le thé est fini en mode s'il n'y a pas assez d'eau, bah, je remets de l'eau dedans. Je ne sais pas si vous avez capté. Je vais prendre le sucre et le nido. J'espère qu'il y a des gens qui connaissent le nido. Hein, parce que. Ah, il n'y en a presque plus. C'est ça là. Ça là. C'est doux. Il y a des gens qui connaissent. Mais je vous jure. C'est trop bon. Je vous jure. Du coup, là, je vais aller. Je vais aller là-bas. Après, je vais vous montrer le gaz. Genre en mode, au lieu d'aller sur à la cuisine pour prendre pour faire le thé, il y a le petit gaz que ma mère elle a acheté. Ça évite qu'on va à la cuisine et tout, genre parce que c'est chiant et tout. Du coup, bah, je peux rester sur place. Genre, je m'assois, je fais le thé, je regarde en même temps la télé. Je sais pas si vous avez capté, c'est trop bien. Là, c'est le petit gaz que ma mère elle a acheté. Du coup, bah, on a juste à tourner ici. Après, on prend ça. Tac, tac. Et après, bah, on allume. Je sais pas si vous avez capté. Et du coup, en fait, je vais pas prendre le lait, genre le nido que j'ai pris tout à l'heure. Parce que, comment dire? Parce qu'après, il y aura plus de lait pour eux là quand ils vont manger la bouillie. Du coup, bah. Voilà, du coup, je vais faire que le premier et le deuxième. En fait, dans le thé, il y a le premier, deuxième, troisième. Et mes frères, ils aiment trop le troisième. Moi, j'aime trop le premier, deuxième, j'aime trop. Mais là aussi, j'aime bien. Mais voilà quoi. En plus, ça enlève la fatigue et tout. Genre, c'est bah, trop bien. Vu que j'ai laissé un peu, j'ai allumé le feu. Du coup, ça fait c'est comme ça. Donc, je vais attendre au moins. Je vais laisser cuire au moins 1h, 50 minutes. Du coup, bah voilà. Là, je vais faire du TikTok. Puis, voilà. Oh là là, la dinguerie. Le thé s'est versé. Oh. Puis moi, là. Oh là là. I'm African queen. I love you. J'ai fini de me maquiller. C'est un peu gris, mais bon, bref. Je suis qu'une débutante. Elle s'est rentrée, les amours. Il y a pas, wesh. Bah oui, en fait. En plus, je me suis maquillée et tout. Ça va, mon bébé? Oh, t'es trop belle. Oh, merci. C'était bien à l'école? Oui. Ok. Et ta frère, c'est bien? Pourquoi? Oui. Toujours est gris celle-là. Alors, je vais vous montrer comment je fais, genre comment j'enlève et tout.
coup, j'ai fini de faire le thé, j'ai nettoyé la table, tout ça. Là, on va regarder ma... je vais regarder ma série vite fait. Ou soit je vais faire un live. Je vais montrer la série que je regarde. En plus, c'est trop bien, c'est sur Novelas. C'est trop bien. Du coup, après, vers 19h, on va aller acheter. C'est trop bien. Après, à 19h, on va aller acheter le kebab. Hein, Eloni ? Hein, Eloni ? Bref, à tout à l'heure. Alors, ça s'appelle L'Héritière. C'est trop bien. En plus, la fille, elle est trop belle et tout. J'aime bien. Regardez la musique. La fille, elle est incroyable. Bref, juste pour vous dire, c'est le chef de famille, ça ne te va vraiment pas, moi. Personne n'a besoin de ton aide, de ta protection, je te signale. Tu dois comprendre que t'es pas le père, dont Mathéo a besoin. Je suis content de savoir ce que tu penses, enfin. Tu peux oublier tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tu viens de me montrer ton vrai visage, c'est... Chiant. Fais droit, attends, s'il te plaît. Du coup, moi et Eloni, on va aller acheter parce que, vu que les autres là, ils ont toujours la flemme. Hein, Eloni? Genre, j'en ai marre de ouais, je me fous. Du coup, non, on va l'acheter et tout. J'ai peur, il y a un chat. Fais-le partir. Je sais pas quoi faire. Fais juste comme ça, là, comme ça, il part. Quoi? Fais ça, comme ça, il part. J'ai trop peur. C'est trop ma phobie, wesh. Et de nous. Bah, moi, c'est je vais souffler. Super. Oh non, mais au retour, comment on va faire pour rentrer? S'ils sont là. Mais non, ils sont partis. Là, ils aiment bien se mettre en dessous des voitures. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai trop peur. Ça fait. Et je déteste les chats, j'ai trop peur. Mais Loni, elle fait trop genre alors qu'elle a peur. Mais non, j'ai dit, j'ai juste peur qu'ils griffent. Vas-y, on a encore remonté la côte. Bref, là on a fini d'acheter. Il y a un monsieur qui est venu à notre escousse parce que moi j'avais encore peur des chats. Je m'en ai marre. Toujours ils sont là, même s'ils sont deux ou trois. Toujours deux. Oui. J'en ai marre. Hein. On peut sortir de la maison, genre tranquillement, ils sont toujours là. Devant la porte. Wesh. Ça fait peur les pauvres comme ça. Bref, là on mange. Yeah. En plus, moi, mon tacos, il est versé. Kebab, il s'est versé parce que voilà quoi. Bonjour, comment j'ai trop peur des chats. C'est une dinguerie. Hein. Ça fait trop peur. Non, mais j'ai donné en face. Mais t'as non, beaucoup mangé, hein. Mais c'était petit en fait. Et choqué, Eloni a beaucoup mangé. T'as eu faim, hein. Non, mais là, j'ai mal en face. Ah, bah, peut-être t'as trop mangé. Du coup, moi je suis que à là. En plus, il mange les frites. Après, il mange le pain. Je sais pas comment on fait. Et moi aussi, je mange. Moi, je fais pas comme ça. Mmh. Bah, là, on mange les deux en même temps. Non, je fais les deux en même temps. Bah, lui, ouais. De art. Du coup, bah, c'est tout pour ce vlog. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. C'est là vers 23h. Après, on va faire un live et tout. Du coup. Bisous. Déjà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Mon Insta c'est là, mes TikTok, mes deux TikTok c'est là. Bisous. Elle nous dit bisous. Bisous. C'est un petit bisou. Rien que pour croquettes, chat, téléphone, mail, agence.